Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve, je mets bien ma caméra, pour faire un marque-page. Alors, je vais utiliser les restants que j'ai sur celui-ci pour faire notre marque-page. Je vais utiliser une base papier craft. Voilà. Hop. Alors, la dimension, vous prenez celle que vous souhaitez. Moi, honnêtement, ça va être au feeling. Je sais pas. On va prendre 6. Je pense que même 6, ça va être peut-être un peu gros. 5,5, je pense que ça sera pas mal. Donc, 5,5 déjà sur... Bah, sur 15, je pense. Parce qu'un livre de poche, lui, il fume. Même pas 15, je crois. Bon, on va le faire sur 15. Voilà. Hop, vous voyez, pour moi c'est déjà bien. Donc ce qui est sûr, c'est qu'ici, moi je vais arrondir les angles déjà. Voilà. Et maintenant on va regarder comment on va faire. Moi, je vais y mettre du papier doré, ça c'est sûr, comme ça, ça va bien faire ressortir tous les papiers. Donc, j'ai dit combien, donc sur 15 par 5,5. Alors, donc, on va prendre 5 cm. Voilà. Donc, sur 14,5. Je vais enlever 1 cm parce que le bout il est corné ici, donc on va l'enlever. Voilà. Donc sur 14,5. Voilà. Hop. Et on arrondit pareil les angles. Voyons voir ce que ça donne. C'est parfait. Vous voyez? Donc, on colle. C'est parti. J'ai un petit bouchon dans la colle, comme d'habitude. C'est bon. Voilà. Voilà. Hop. Là, je croyais que ma colle allait tomber. Voilà. Donc maintenant, on choisit un autre papier. Voilà. J'aime beaucoup celui-ci. Alors voyons voir. Celui-là ou celui-là? Non, peut-être celui-ci quand même. Avec les petites étoiles. J'aime beaucoup. Après, j'ai des chutes. Hein. Je peux utiliser le rouge, le traditionnel. J'hésite avec le rouge en fait. Ouais, je vais prendre le rouge en fait. Donc, du coup, j'ai pas le bien parce que hop, ça a pas l'air d'avoir collé partout. Voilà, parfait là. Donc du coup, ici j'ai pris 4. Non, j'ai si 4,5, donc je vais prendre 4,1. Non, pas loupé. C'est pas 4,1. Je fais des bêtises. Marie, par terre, bien évidemment.
Alors, 5, donc ça fait 4,6. 4,6. Bon, j'ai même une comme ça, regardez. Non, je vais prendre le classique, parce que j'ai plein de chutes, hein, c'est pas un souci. Mais je vais prendre le classique rouge. Donc 4,6. Voilà. Par 14,1. Voilà. Et je viens arrondir les bords. Voilà. Tout simplement. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est trop beau. Moi déjà, j'aime bien le rendu. Hop, donc on appuie quand même bien comme il faut. Voilà. C'est parfait. Donc maintenant, les die-cuts. Qu'allons-nous mettre? Je regarde ça, mais ça, vous voyez, trop grand. Donc, c'est pas possible. Ça, je ne sais pas. Je vais regarder. Ça m'a l'air trop grand aussi. Ouais, le sapin, il est un peu trop grand. Oh, Marie, je peux peut-être le couper sur les bords, lui. Dépasser un peu, ça fait pas moche. Voilà, j'aime beaucoup ça. On peut le mettre plus en hauteur pour y mettre des cadeaux devant, bien sûr. Voilà. Alors, oh, c'est trop beau ça. Il y a beaucoup de choses que j'aime, donc c'est pas possible. Je mettrai tout. Le gui, ça porte bonheur. On va le mettre comme ça. On va en mettre un de chaque côté. Parce qu'à la base, je voulais faire un trou ici pour mettre un ruban. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ensuite, non. Je pensais que j'avais d'autres cadeaux. Parce que ça va être trop gros. J'ai ça, mais ça, c'est trop gros. On le voit déjà par rapport à ça, c'est trop gros. Ah là, ils sont là, les autres. Ouais, je trouve qu'il va mieux. Celui-ci va mieux. Donc ça, je laisse là. Et je voulais marquer donc joyeux Noël. Le ho ho ho, il est sympa mais un peu trop long pour le coup. Enjoy. Le Merry Christmas, il est très beau, mais trop gros. Alors, je vais aller regarder dans mes tampons. Je l'ai fait le Noël en plus ici. Je crois. Joyeux Noël, ouais. Je l'ai. Hop. Bon, bah, je vais coller ça comme ça.
bien dans le coin. Ici. Voilà, bien dans le coin. Là-haut. Hop. Et les cadeaux là. Voilà. Et donc le joyeux Noël. On va le faire comme ça, mais je voulais le faire avec du doré. Donc alors, il faut que je retrouve, parce que je ne sais pas si je l'ai encore. Ça, je vais le mettre en dessous pour l'aplatir. Il faut que je le mette, je pense, sur quelque chose comme ceci. Parce que si je le mets sur ça, je ne sais pas, ça, le rendu ne sera pas aussi beau. Il faut que je le fasse là. Hop, alors, il me faut le heat gun. Et je ne sais plus où je l'ai mis, bien évidemment. Si, j'ai le doré et c'est parfait pour le coup. C'est parfait, parfait, parfait. Alors, ça c'est le heat gun, tout simplement, pour faire de la reliure, de l'embossage. Voilà. Donc je viendrai le redécouper après. Et je vais y mettre du doré. Voilà. Et la poudre, on la récupère. Vous voyez? Voilà. Et maintenant, ça va faire du bruit. Je vous le dis tout de suite. C'est comme un sèche-cheveux. Alors, je le fais barre derrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon, j'ai peur que ça pousse la poussière, en fait. Enfin, le... Comment dire? On va dire... Ok, ça va. Ça colle bien, là. Oh, c'est chaud. Et voilà. Vous voyez? Trop beau. Mais là, ça fait un moment que j'en ai pas revu à Action de ce genre de choses. Donc, je ne sais pas, de la poudre, je sais qu'il l'avait sorti, je crois, aussi au moment de Noël. J'en avais plein de couleurs, mais j'en vois plus, parce que j'ai voulu m'en acheter, et en fait, je ne le vois plus. Voilà. Donc, maintenant, on va découper ça. Voilà. Il faut que je le nettoie parce que du coup c'est comme une colle. Voilà. Là, je vais couper au cutter parce que j'ai peur de couper un peu plus à peu près là. Voilà.
Vous voyez? Tout parfait. Je vais essayer d'arrondir les angles. Je dis bien essayer parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Si, parfait. Voilà. Ainsi, tous les côtés. Voilà. Donc, après, vous pouvez le placer en comme ça. Oui, parce que moi, j'ai vu qu'il y avait des étoiles. Et je vais peut-être mettre une étoile. Mince. Une étoile sur le sapin en haut. J'ai vu qu'il y avait des petites étoiles. Voilà. Alors, je voudrais celle-ci, mais en un peu plus petite. Parce que celle-ci, je crois qu'elle est un peu trop grosse. On va regarder. Je vais regarder. Sinon, je vais garder celle-ci. Ça, ça fait plus penser à un gâteau. Non, là, il n'y a pas. Non. Là, ce n'est pas des étoiles, c'est des clochettes. Non, ben, j'ai pas. Donc, je vais garder celle-ci, alors. C'est dans le gâteau ? Au pire, on peut mettre le gâteau. Il faut vraiment voir que c'est un gâteau. Il est là. Le gâteau, il est là. Il y a une étoile là, mais je crois que c'est de la même taille. Oui, elle fait la même taille. Ouais, c'est exactement la même taille. Si je mets une petite étoile comme ça. Bah pour le coup, je préfère quand même la blanche. Alors, je ne sais pas s'il y a un sens. Voilà. Ouais, j'aime bien celle-là. Donc, on va mettre celle-ci. Voilà. Et du coup, le joyeux Noël, on va le poser là. J'aime bien. Et maintenant, on va la plastifier. Alors, je n'ai pas avec moi. Ah si, elle est là. Parfait. Donc, il va falloir la faire chauffer. Et j'aille chercher les feuilles. Par contre, je n'ai pas de feuilles avec moi là. Ah. Voilà. Parce qu'au moins, ça ne s'abîme pas. Et après, on fera un trou. Tout bêtement. Alors, est-ce que j'ai assez de fil? Je ne sais pas déjà. Pour commencer, ce sera peut-être dans l'autre sens. Voilà. Bon, je la mets en chauffe. Vous voyez? Je vais chercher donc des pages pour ma plastifieuse. Voilà. Et je reviens de suite. Voilà, donc ça y est, j'ai trouvé. Je ne vais pas prendre un grand morceau, je vais la couper avant. Donc ici, ça mesure donc 5,5. Donc je vais prendre 7 pour être un peu plus large. Et je vais couper à 7 cm sur toute la longueur. Parce que ça, par contre, il ne faut pas l'utiliser si on n'est pas la plastifieuse. Il faut toujours le bord là. Donc c'est 7 cm tout du long. Hop, donc il faut essayer de bien la mettre au bord. Et puis quand elle sera verte, on pourra le faire. Vous voyez, mais on viendra retailler bien comme il faut. Il y en a qui rajoutent des paillettes, vous pouvez aussi. Hein. Moi, j'ai décidé de la laisser telle que, parce que je la trouve jolie comme ça. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu faire un shaker. On peut faire ça aussi sous forme de shaker. Ça sera l'occasion. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez essayer un marque-page de shaker.
J'ai bougé, pardon. Voilà, c'est prêt. Alors, attendez, parce que je ne sais pas trop encore. Insert, c'est ici. Voilà. On dirait que ça a mal collé ici. Je pense que je vais la remettre une deuxième fois. Au moins, ça sera sûr. Ça, comme ça va ressortir de l'autre côté et je vais pouvoir voilà, vous voyez, donc ça je mets à la poubelle. Et là c'est parfait, on voit plus de bulles, on voit plus rien. Ça a bien collé partout là. Parfait. Non, non, ça, il y a encore un tout petit peu là. Je vais peut-être la remettre un petit peu. On dirait. Après, c'est peut-être. Il y a une toute petite bulle qui ne veut pas s'en aller ici. Je sais pas, bon, je vais le couper et on va voir après ce que ça donne. Alors, donc on coupe bien comme il faut les bords. Donc là, on essaye de laisser un demi centimètre. On est de laisser 2 mm, pardon. 2 mm de chaque côté à peu près. Voilà, donc là c'est parfait. On va faire pareil de ce côté-ci. Voilà, et là. Non, bah écoutez, ça colle. Hein. Donc, je vais arrondir les angles. Ah oui, là, ça va être un peu plus compliqué à arrondir l'angle. Parfait. Voilà, bon, ça réussit finalement. Donc voilà, donc je suis plutôt satisfaite. Et ici, je vais faire un trou pour passer... tout simplement un ruban.
un petit peu le cutter. Voilà, vous voyez? Et on va passer un ruban. Je vais prendre celui-ci. Donc ça, ça sert à rien de prendre un gros gros. Voilà. Hop. Alors, un plus joli nœud, c'est par l'avant, là, je ne me rappelle plus. Je réfléchis. Parce que si je fais ça, hop, je vais me faire passer. Non, il faut que ce soit de ce côté-ci. Alors. Si vous n'y arrivez pas, il suffit de prendre la pointe, hop, du ciseau. Vous voyez ? Et ça passe. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et là, vous pouvez mettre tout simplement de la colle à tissu pour être sûr que le nœud s'en aille pas. Voilà. Et là, vous pouvez brûler les bouts. Donc moi, là, j'ai pas de briquet sous ma main. Là-bas, je voulais faire un joli. Voilà, vous voyez, comme ceci. Et voilà, donc là je vais mettre une pince en attendant que la colle à tissu sèche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve super mignon. Bon, à part là, c'est peut-être pas l'épaisseur de la feuille, c'est pour ça que ça n'a peut-être pas collé. Mais sinon, franchement, je trouve vraiment très très beau. Voilà, sur ce, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!